السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة أبو هاجر التعليمية في حصة جديدة من سلسلة الحصص التي تقدمها القناة. إذا سنكون هذه المرة مع موعد مع صحيح الامتحان الوطني الدورة العادية 2020 الجزء الخاص بدراسة الدالة تخصص علوم فيزياء علوم فيزيائية خيار فرنسية. إذا قبل البداية إذا لابد من توجيه مهم. إذن دائما يجب علينا أن لا نحكم على أي تمرين كيفما كان. إذن الذي يهمني أنا يجب أن أقتنع بمعارفي وأن أحاول أن أطبقها على التمرين. لا يهمني مثلا الدالة، لا أحكم على الدالة من البداية، لأن إذا حكمت على البداية فبداية الفشل. مثلا أريد مثلا يريد قطع الطريق ولكن هو متخوف، إذن لن يقطع الطريق أبدا لأنه تخوف في البداية. إذن دائما يجب أن لا نحكم على الدالة. إذن لدي معلومات يجب أن أوظفها بشكل عادي. إذن على بركة الله نبدأ بكتابة الدالة. Donc on considère la fonction numérique f définie sur R par f de x égale f de x égale moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur exponentielle x moins 2 moins 4. Donc C est la courbe représentative de la dans un repère orthonormé OIG tel que l'unité on a 2 cm. OI égale G égale à 2 cm. Première des choses, première question. Montrez que limite f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus 1. Montrez que limite f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. La première, on va répondre à la première question. On va taper par exemple. X tend vers moins l'infini moins x plus 5 demi égale à moins l'infini égale à moins l'infini égale à plus l'infini. On a exponentielle x moins 2 limite exponentielle x moins 2 x tend vers moins l'infini égale à 0. Limite, la même chose, exponentielle x moins 2 moins 4 x tend vers moins l'infini égale à 0. Alors on va trouver la limite. Limite f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini plus 0, plus 0, donc égale à plus l'infini. On a, ça c'est 0, 0, donc il reste plus l'infini. La deuxième question, la même question, limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Donc, la même chose, on a limite moins x plus 5 demi lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. On a aussi
limite exponentielle x moins 2 x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Aussi limite exponentielle x moins 2 moins 4 lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc il y a دال مجموعة دوال متصلة وجداء دالتين أيضا متصلتين. Donc on va trouver la limite. Donc limite f x tend vers plus l'infini égale la première des choses, on a moins l'infini, première partie moins l'infini, moins un demi fois, on a la limite c'est plus l'infini, fois cette limite c'est plus l'infini, donc on a moins l'infini, moins l'infini, donc il y a moins l'infini, moins l'infini, donc c'est moins, moins l'infini. Donc la limite égale sera limite f(x) égale moins l'infini. Donc on va passer à la deuxième question. Démontrer que la droite delta d'équation y égale à moins x plus 5 diminue d'un asymptote. Ah, c'est démontré dans le deuxième A. Démontrer que la droite delta d'équation y égale à moins x plus 5 demi est un asymptote AC au voisinage de l'infini. Est un asymptote AC au voisinage de moins l'infini. Donc asymptote au voisinage de moins l'infini. Donc on a limite, on va calculer limite f(x) moins y lorsque x tend vers moins l'infini. Ça égale à la limite de f(x). F(x) c'est moins x plus 5 demi plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur exponentielle x moins 2 moins 4 moins y c'est moins x plus 5 demi. Donc ça égale limite moins 1 demi. Donc on va factoriser, on va simplifier moins x plus 5 demi. Donc moins 1 demi exponentielle x moins 2 exponentielle x moins 2 moins 4 lorsque x tend vers moins l'infini. On a déjà exponentielle x moins 2 moins l'infini égale à 0. Exponentielle x moins 4 moins l'infini égale à 0. Donc égale 0 fois 0 c'est. Donc c'est 0. Alors y égale à moins x plus 5 demi est un asymptote de C au voisinage de moins l'infini. إذن هنا كمان يمكن أن نحسب الطريقة الأخرى ليميت فليكس سير إكس lorsque X tend vers moins l'infini. On a ليميت فليكس moins l'infini égale plus l'infini. ليميت فليكس سير إكس il va trouver moins 1. Donc ليميت فليكس moins X lorsque x moins l'infini, la même chose, il va trouver égal à 5 demi. Alors, y égale à moins x plus 5 demi
يتسامبل. دني بالطريقة الثانية هي ليميتي فليكس على إكس أنا جي تساوي ناقص واحد. سنعمل إفليكس ناقص إفليكس ناقص إكس إكس تساوي ناقص ثلاثة أنا جي خمسة على اثنين، وبالتالي كي تساوي ناقص إكس زائد خمسة على اثنين مقارب مائل. دلنا مر إلى السؤال المواني. Greg moins 5 demi, Greg égale moins x plus 5 demi est un subtot au voisinage de moins l'infini. On va démontrer que résoudre l'équation, B résoudre l'équation, donc 2, B résoudre l'équation, x pour résoudre l'équation exponentielle x. Moins 2, moins 4, égale à 0. On va résoudre cette équation. En exponentielle x moins 2, moins 4 égale à 0, c'est-à-dire exponentielle x moins 2 égale à 4. Alors, log exponentielle, on va faire, donc x moins 2 égale log de 4. Alors, x égale 2 plus log de 4. Donc la solution de cette équation x égale à 2 plus log de 4. Lui montrer que la courbe C est au-dessus de delta au voisinage 2 plus log de 4. Alors on a f de x descendre sur delta venez vers lui f de x. Donc f de x moins y égale moins 1 demi exponentielle x moins 2 fois exponentielle x moins 2 moins 4. Donc on a exponentielle x moins 2 supérieur, différent de 0. Exponentielle x moins 2, il est au voisinage de moins l'infini supérieur à 0. Donc il est différent de ces fameux, il est différent de 0. Donc Isharat, c'est-à-dire Isharat f(x) naqis y, il y a Isharat, il y a Isharat, c'est-à-dire Isharat x naqis 2 naqis 4, ou aksuha, il y a Nidana naqis 1 ala 2. Donc, exponentielle de x supérieur à 2 plus log de 4, c'est-à-dire x yentemi il a 2 plus log de 4 plus l'infini. Donc x moins 2 supérieur à log de 4. Donc exponentielle x moins 2 moins 4, il est supérieur à 0. C'est-à-dire f de x moins y, donc on est supérieur à 0, il est 1 moins, donc il est inférieur à 0. Alors, c est au-dessus. Dissous de delta à l'intervalle de plus log de 4 plus l'infini. Donc on va voir lorsque x appartenant à moins l'infini de plus log de 4. On a x inférieur à 2 plus log de 4, c'est-à-dire x moins 2, il est inférieur à log de 4, c'est-à-dire exponentielle x moins 2 inférieur à 4, c'est-à-dire exponentielle x moins 2 moins 4, elle est inférieure à 0. Alors, f(x)
moins y, lorsqu'elle est inférieure à 0, on a un signe moins, donc elle est supérieure à 0. Alors, delta, c'est la courbe C et au-dessus de delta à l'intervalle lorsque x est égal à moins l'infini de plus log de 4. On va voir l'autre question. Donc, on a 2 plus log de 4. 2 plus log de 4. On est fermé. Inférieur égal. Inférieur égal. Inférieur égal. La même chose. Troisièmement, montrer que l'unité finie sur x égale à moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Montrer que, troisième, montrer que limite est finie sur x, x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Donc f(x) sur x égale, donc limite x tend vers plus l'infini, donc moins x sur x égale, c'est moins 1, plus 5 sur 2 x, moins 1 demi, exponentielle x moins 2 sur x, exponentielle x moins 2, moins 4. Alors, on a 5 sur 2, x égale à 0, pointant vers 0, exponentielle x moins 2. Donc, on va calculer exponentielle x moins 2, limite 5 sur 2x, x tend vers plus l'infini, égale à 0, limite exponentielle x moins 2, moins 4, x tend vers plus l'infini, égale à 0. La même chose, on va voir que limite exponentielle x moins 2 sur x, on va voir qu'elle tend vers, donc égale à ça, plus l'infini, limite exponentielle x moins 2 sur x, x tend vers plus l'infini. Donc on peut voir un changement de variable, donc t égale à x moins 2. Si on va poser t égale à x moins 2, c'est-à-dire x égale à t plus 2. X tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini, alors t tend vers plus l'infini. On va faire le calcul. Donc limite exponentielle x moins 2 sur x, x tend vers plus l'infini, égale limite t tend vers plus l'infini de exponentielle t sur t plus 2. Donc on va multiplier par t plus 2, t on divise par t, donc égale limite exponentielle t sur t fois limite t sur t plus 2, lorsque t est en vert, toujours plus l'infini, t est en vert plus l'infini. On a ça exponentielle t sur t plus l'infini égale à plus l'infini. T sur t c'est fois 1. Donc, limite exponentielle x moins 2 sur x égale à plus l'infini. On a plus l'infini. Alors, limite x sur x, x tend vers plus l'infini égale, on a moins 1, 5 demi c'est 0, on a 0, moins 1 demi, donc moins 1 demi,
Donc limite plus 1, on a moins 1, plus 0, moins 1 demi, exponentielle x moins 2 sur x égale à plus l'infini, exponentielle x moins 2 moins 4 c'est plus l'infini, donc fois plus l'infini, donc égale moins l'infini. Donc égale moins plus l'infini plus l'infini moins 2 c'est moins l'infini. L'autre question, interprétez géométriquement le résultat. Donc, interprétation, la courbe admet une direction asymptotique qui est l'axe des ordonnées. Donc, C admet une direction asymptotique l'intégrale moqari au voisinage de plus l'infini qui est et bien c'est l'axe des ordres l'axe des ordonnées. Et on va voir à type O Y. Et on va voir à type O Y. Quatrième, montrez que pour toute X de R, F' de X égale. Donc on va montrer que F' égale. Montrer que f' de x égale moins exponentielle x moins 2 moins 1. Donc, ça nous permet de calculer la relation. F de x est égal à f' de x. Tu sais, tu as x égale 5', tu as 1. ناقص إذا عندنا جداء دالتين دالة أولى ودالة الثانية إذا ناقص إذا ناقص واحد على اثنان إكسبونسيال إكس موان دو بريم إذا إف فوا جي إف بريم فوا جي إكسبونسيال إكس موان دو موان كات توجور G' fois F égale G' exponentielle X moins 2 moins 4 prime fois exponentielle X moins 2. Et bien là, je dois donner F' G Z G' fois F. Donc égale moins 1 exponentielle X moins 2. Je te rappelle que l'exponentielle U de X c'est U' de X fois exponentielle U de x, donc moins 1 demi. U prime de x c'est 1, c'est-à-dire reste exponentielle x moins 2, 1 fois exponentielle x moins 2, fois exponentielle x moins 2, moins 4. Moins 1 demi, exponentielle x moins 2 moins 4 prime c'est exponentielle x moins 2, exponentielle x moins 2 c'est 1 fois exponentielle x moins 2, exponentielle x moins 2. Fois exponentielle x moins 2. Donc égale à moins 1, moins 1 demi, exponentielle x moins 2 fois exponentielle x moins 2, c'est-à-dire exponentielle x moins 2 au carré. Moins 1 demi fois moins 4, c'est plus 2. Plus 2, exponentielle x moins 2 moins 1 demi exponentielle x moins 2 le tout au carré. Donc on a 1 moins égale à moins 1 plus on a 1 demi exponentielle x moins 2 1, moins 1 demi égale à moins 1 et on a 1 moins c'est à dire
exponentielle x moins 2 au carré plus 2 exponentielle x moins moins 2. Alors, c'est une identité remarquable. A au carré plus 2 plus b au carré plus 2 a b. Donc, égale moins exponentielle x moins 2 moins 1 au carré. Alors, f' égale à moins exponentielle x moins 2 moins 1 le tout au carré. L'autre question, dessine B, dessine le tableau de variation. Donc, f'x, il est inférieur. Donc, exponentielle x moins 2, moins 1 au carré, il est supérieur à 0. Donc, on a un moins, il est inférieur à 0. Donc, f', la fonction f est strictement décroissante. Le tableau de variation, moins l'infini. Plus l'infini. Donc la fonction est décroissante. On a limite à moins l'infini égale à plus l'infini. Donc moins l'infini, on a moins l'infini. Donc la fonction, on a f'x, f x. On a toujours, il est négatif. Donc il est décroissant. C'est le tableau de variation. Notre question. Calculer f seconde pour toute x appartenant à R. Vous montrez que A, 2, 2 est un point d'inflexion. Donc on va calculer f seconde. On va déduire que A, 2, 2 est un point d'inflexion. Donc f seconde de x égale moins exponentielle x moins 2 moins 1 au carré prime. On a donc un f à la puissance n prime. Donc c'est n f prime fois f à la puissance n moins 1. Donc on a n c'est 2 fois f prime c'est exponentielle x moins 2 fois f à la puissance n moins 1 exponentielle x moins 2 moins 1 à la puissance 2 moins 1 c'est 1. Donc égal à. Donc on a exponentielle x moins 2 différent de 0. Exponentielle x moins 2 différent. X soit exponentielle x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire. Donc exponentielle moins 2 différent de 0. Alors, exponentielle f seconde égale à 0. Alors, exponentielle x moins 2 moins 1 égale à 0. C'est-à-dire, exponentielle x moins 2 égale à 1. C'est-à-dire, x moins 2 égale à log de 1 égale à 0. Égale à 0. Alors, x égale à 2. Donc, f seconde s'annule en 0. Et change sa direction. Donc, on a lorsque x supérieur à 2, x moins 2 supérieur à 0, c'est-à-dire exponentielle x moins 2 supérieur à exponentielle 0, c'est-à-dire c'est 1, exponentielle x moins 2 supérieur à 1, c'est-à-dire exponentielle x moins 2 moins 1 supérieur à 0. Alors, f seconde
إلى inferior à 0. Autrement, dans l'autre cas, non absolue. Lorsque x moins 2, x inférieur à 2, c'est-à-dire x moins 2 inférieur à 0, c'est-à-dire x moins exponentielle x moins 2, l'inférieur exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. De l'exponentielle x moins 2 moins 1 inférieur à 0, alors f seconde est supérieur à 0. Donc f seconde s'annule en 2 et change. Leur signe à ce point et dans en deux. Alors, le point 2, F2, est un point d'inflexion, est un point d'inflexion. Donc on va calculer f de 2. Donc f de 2 égale moins 2 plus 5 demi moins 1 demi exponentielle 2 moins 2 exponentielle de 0 fois exponentielle de 0 moins 4 égale moins 2. Moins 2 plus 5 demi, c'est 1 demi. Moins 1 demi, moins 1 demi fois moins 4, 1 fois 1 c'est 1, donc 1 moins 4 égale 1 demi moins 1 demi fois moins 3, donc égale 1 demi moins 1 demi plus 3 demi, 1 demi plus 3 demi égale à 2. Donc le point d'inflexion c'est 2, f de 2 c'est donc 2, 2 est un point d'inflexion, d'un point d'inflexion. Donc point d'inflexion de C. Donc l'autre question montrer que l'équation f(x) égale à 0 admet une solution telle que donc montrer que la fonction f admet entre f(x) égale à 0 admet une solution alpha telle que alpha entre 2 plus log d4 et 2 plus log de 3. Donc on a 2 plus log de 3 et 2 plus log de 4 et appartient à d de à r. Donc 2 plus log de 3, alpha entre 2 plus log de 3. On va calculer f de 2 plus log de 3
et f2 plus log de f2 plus log de 3 égale moins 2 moins log de 3 de 5 demi moins 1 demi moins 1 demi exponentielle x 2 plus log de 3 moins 2 facteur de exponentielle 2 plus log de 3 moins 2 moins 4 égale moins 2 moins 2 plus 5 demi c'est 1 demi 1 demi moins log de 3 moins 1 demi 2 moins 2 c'est 0 exponentielle log de 3 c'est 3 facteur 2 plus la même chose c'est 3 moins 4 c'est moins 1 fois 3 moins 4 c'est moins 1 donc égale 1 demi moins log de 3 donc 3 demi c'est plus 3 demi 3 demi égale 3 demi plus 1 demi sur 2 moins log 2 moins log de 3 2 moins log de 3 il est supérieur à 0 donc on va prendre donc on a f x égale à moins x plus 2 2 moins 2 moins x c'est moins 2 moins log de 3 plus 5 demi moins 1 demi exponentielle 2 plus log de 3 moins 2 exponentielle 2 plus log de 3 moins 2 donc 1 demi moins 2 plus 5 demi c'est 1 demi moins log de 3 moins 1 demi fois c'est 3 ça 3 moins 4 c'est moins 1 donc 3 fois moins 1 c'est moins 3 moins 3 fois moins 1 demi c'est 3 demi donc 1 demi plus 3 demi c'est égal à 2 moins log de 3 qui est supérieur à 0 donc on va calculer l'autre f2 plus log de 4 f2 plus log de 4 égale moins 2 moins log de 4 moins 1 demi exponentielle on va calculer dessus donc f de 2 plus log de 4 égale à moins 2 moins log de 4 moins 2 moins log de 4 plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x x c'est 2 plus log de 4 moins 2 exponentielle 2 plus log de 4 moins 2 moins 4 donc moins 2 plus 5 demi c'est 1 demi moins log de 4 plus 1 demi moins 1 demi fois 4 fois 4 moins 4 c'est 0 fois 0 donc f 2 plus log de 4 égale à moins log de 4 1 demi moins log de 4 est inférieur à 0 alors f 2 plus log de 4 fois f 2 plus log de 3 elle est inférieur à 0 alors f x égale à 0
الو افليس يقال زيرو ادمي ان بوان الفا تيتو الفا انتر 2 بلس 2 دو 3 اي 2 ادمي اون سوليسيون alpha tel que alpha entre 2 plus 2 log de 4 et 2 plus log de 3. Autre question. Construire delta et c dans le même repère au y de 3 égale à 1,1 log. 3 égale à 1,1 log de 2 égale à 0,7 log 2 égale à 0,7 إذن يمكن يكون الرسم يجب ضبطه بالمقاييس. إذن هنا 1 2 3 1 2 3 4 إذن 4 إي جي 2 3 2 3 هنا أو. إذن عندنا النقاط يجب وضع النقاط المهمة. إذن عندنا نقطة أولا مقارب مالي غريغر مو إكس بلس 5 دومي إكس إيكالا 0 إيكالا 5 دومي بروميير بوان لا ميم شوز سي إيكالا 0 إكس إيكالا 5 دومي. إذن هنا المقارب المالي هنا عندنا مقارب. جدا نقطة مهمة أيضا عندنا نقطة الانعطاف نقطة 2 2. إذا نقطة انعطاف قلنا بين الدالة تناقصية بجوار ناقص النهاية. إذا عندنا مقارب مائي الجريج تساوي ناقص إكس زائد 5 على 2 مقارب مائي. وهنا محور الأراضي باتجاه مقارب. عندنا مقارب مائي وعندنا هنا يقطعها في النقطة بين 2 زائد لوغ دو 3 2 زائد لوغ دو 3 و 2 زائد لوغ دو 4. دونك لوغ دو 3 سي 1,1 بلس 2 سي 3,1 2 plus log de 4 et 2 log de 4 c'est 1,4 3,4 c'est un nocta muhim là c'est la table sur 4 c'est la table sur 4 alors on a une nocta une tujette alpha c'est le même c'est une autre tujette alpha c'est un mokarib là mokarib mais c'est une nocta c'est une nocta un état c'est une seyugaya في الاتجاه. إذا لا يمر في هذا المكان. إذا بين 2 بلس لوغ دو 3 وهنا 2 بلس لوغ دو 4. إذا هنا تكون ألفا. إذا هنا اتجاه مقارب. إذا هنا عندنا 2 بلس 4 يوجد تحت المقارب. إذا هنا اتجاه مقارب. إذا ننزل إلى الأسفل. إذا نمر إلى السؤال. إذا سي دو إف نمر إلى السؤال الموالي. مونتر كيف أدمين إن فونكسيون ريسيبروك إف موانز أن ديفيني سيغ آر. إذا السؤال رقم
ثمانية هنا F هي strictement décroissante et إذا تناقصية و متصلة continue إذا تناقصية قطعا و متصلة donc إلى demi une fonction réciproque f moins 2 r vers limite donc r c'est moins l'infini de moins l'infini plus l'infini c'est r vers limite f x x tend vers plus l'infini limite f x x tend vers moins l'infini il y en a un qui est un peu إذن f plus l'infini يناقص لا نهاية في زائد لا نهاية في ناقص لا نهاية زائد لا نهاية c'est-à-dire c'est r donc f est l'admi une fonction réciproque de r vers r dans le même repère la courbe de représentative de f moins 1 donc dans la même courbe إذن سنحسب بنفس إذن بالنسبة للدالة العكسية ستكون مماثلة بالنسبة لـ y تساوي x إذن y تساوي x نعلم أن الكرومات بأن الدلتا عمودي على الدلتا عمودي على الدلتا عمودي على y تساوي إذن سيظل هذا أيضا مقارب مائل للدالة العكسية إذن نفس الشيء إذن هنا مقارب مائل ونقطة الانعطاف ستظل نقطة الانعطاف سنغير هنا 2 بلس لوغ دو 3 و 2 بلس لوغ دو 4 إذن هنا سيمر المنحنى 2 بلس لوغ 4 2 بلس لوغ دو 3 إذن الدور الذي يلعبه إكس سيساوي يلعبه Y إذن نفس الطريقة إذن عندنا هنا سيكون مقارب مائل باللون الموعي إذن سيكون هذا مقارب مائل أيضا إذن عندنا هنا نقطة انعطاف إذن هنا نقطة انعطاف وسيمر هنا ويصير عندنا هنا محور الأرات اتجاه مقارب إذن سيصير محور الأفاصيل هو الاتجاه المقارب من الدول إذن هنا سيصير اتجاه مقارب إذن 2 بلس لوغ 3 إذن هنا اتجاه مقارب هنا سي جي موانز نلاحظ هنا التماثل وهنا التماثل بالنسبة لهذا المنحنى وهذا المنحنى إذن هنا سي جي موانز اف موانز سي اف موانز إذا نمر السؤال الموالي كالكول اف موانز ان بريم دو موان لوغ دو تخوا سي تمانية سي اف بريم اف بريم كالكولي f moins 1 prime, f moins 1 prime, f moins 1 prime, 2 moins log de 3. Donc f moins 1 prime, 2 moins log de 3 égale 1 sur f prime, dit f moins 1, 2 moins log de 3. On a dans une remarque que f de moins 1, 2 moins log de 3 égale à 2 plus log de 3. F moins 1, 2 moins log de 3 égale à f
égal à 2 plus le log de 3 égale 1 sur f prime 2 plus log de 3. Donc on a f prime égale f prime de x égale, on a calculé dans la première question, f prime égale moins exponentielle x moins 2 moins 1 au carré moins exponentielle x moins 2 moins 1 au carré. Donc on va remplacer par 2 plus log de 3. Donc f prime 2 plus log de 3 égale donc égale 2 plus log de 3, donc égale moins exponentielle 2 plus log de 3 moins 2 moins 1 au carré. Donc égale 2 moins 2 c'est 0, exponentielle de 3 c'est 3, 3 moins 1, 3 moins 1 c'est 2 au carré, c'est 4 et donc égale moins 4. Je répète. 2 plus log de 2 plus log de moins 2, c'est 0 log de 3. Exponentiel log de 3, c'est 3. 3 moins 1, c'est 2. Dans la puissance 2, c'est 4, donc moins 4. Alors, ça égale 1 sur 4. Sur moins 4 égale 1, moins 1 sur 4. Donc je vous remercie. أشكركم. إلى اللقاء على أمل اللقاء بكم في عصا مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.